C'est une soirée de gala festive, de distinction, de reconnaissance, de mérite et surtout riche en activités culturelles. Ceci s'est déroulé au cours de la semaine à Ouigraou 2021, ce vendredi 11 mars 2022, à la salle des fêtes Le Majestic à Kadiéon. Loin d'être un simple rendez-vous festif, le réseau Aweb Bénin a célébré le leadership féminin comme à son habitude. Sentiment de satisfaction totale pour Ismène Aramile Zoumenou, elle est la présidente du réseau Aweb Bénin. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime par rapport à tout ce que nous avons vécu ce soir. Parce que ces femmes-là qui ont pressé ont montré qu'elles étaient à la hauteur et en même temps, elles ont démontré de la qualité du travail qui a été effectué par toutes ces mentors qui les ont accompagnées, par tous les membres de l'équipe de gestion de Aweb Bénin, par tous ces superviseurs qui n'ont ménagé aucun effort pour sacrifier de leur temps pour pouvoir les accompagner à réussir. Donc franchement, je suis très émue, je suis très contente d'avoir contribué à ce qu'il y ait ces résultats. Je suis satisfaite, je félicite et j'encourage toutes ces femmes. Je félicite et encourage également toutes les femmes du réseau Aweb qui ont contribué afin qu'ensemble nous puissions continuer à travailler dans la même lancée pour pouvoir construire effectivement un réseau vraiment fort de femmes entrepreneurs. 12 femmes entrepreneurs ont présenté leur projet d'entreprise. 3 ont été sélectionnées et seront accompagnées dans la mise en œuvre de leur programme. Mais au final, c'est à elles, Kouroubéra Florence, promotrice de la marque KG Insecticide, que revient le premier prix. Ma joie est tellement immense. Je ne peux pas. Les mots me manquent pour parler. Car le chemin a été long. Je suis mère de 2 enfants. Jubiler tout ça entre les formations, on t'appelle, viens, on a une formation à telle heure, tu es obligé d'être là à temps, de respecter, de t'occuper de ton foyer. Ça a été vraiment un chemin long. Et franchement, je ne vous fais pas dire, mes concurrentes n'ont pas démérité, puisque c'était un combat. Cette célébration des femmes entrepreneurs a été une réussite grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, des parrains et marraines Guy et Immaculée Vidé-Ouédé et surtout de Victor Zoumenou. C'est depuis l'année dernière qu'on a choisi de soutenir Aweb parce que nous trouvons que c'est des femmes formidables et ce qu'ils font est merveilleux. Parce qu'ils vont à la recherche dans les coins reculés, rechercher des femmes travailleurs qui ont de la volonté et qui ont de la vision. Ça permet de donner des chances à des personnes, à des femmes ou à des filles qui n'ont pas la possibilité, vu les moyens réduits de leurs parents, de se faire connaître et de venir à la lumière du jour. Être femme entrepreneur, ce n'est pas du tout chose facile. Cette année, je me suis rapprochée beaucoup plus de ces braves femmes et j'ai constaté tout le travail qu'elles faisaient malgré toutes leurs occupations. Pendant plus d'une semaine, organiser cette soirée de gala, ces femmes se sont acharnées. Chacune d'elles avait un rôle à jouer dans cette organisation de soirée de gala. Alors, je profite de ce canal pour dire un grand merci à la présidente qui n'a ménagé aucun effort avec les partenaires pour mettre à la disposition de chacune d'entre elles afin de pouvoir aller au bout de leurs pensées.
Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Wusu, n'a pas manqué de féliciter les femmes entrepreneurs et de réitérer tout son soutien au réseau AWEP Bénin. Je ne peux pas refuser cet appel pour contribuer à ma façon à l'accompagnement des jeunes filles, des jeunes femmes, entrepreneurs. Et vous avez vu ce soir la variété, la diversité des différents projets qui ont été présentés et l'enthousiasme avec laquelle on a vu ces présentations. En tout cas, à travers ce qu'on a vu ce soir et les différents accompagnements promis et existants, je pense que parmi celles qu'on a vues ce soir, demain, nous allons nous étonner de ce qu'elles vont devenir. Et j'en suis fier et c'est le moment pour moi de remercier la présidente de la AWEP et tous ceux qui ont contribué au succès de l'événement de ce soir et surtout qu'ils continuent. Et chaque fois que nous pourrons apporter notre contribution, aussi modique soit-elle, ce sera avec plaisir. Elles sont des femmes inspirantes, des femmes dont le parcours et les réalisations peuvent servir de modèle et de source d'inspiration pour d'autres. Maryse Lokoussou, directrice du cabinet du président de la BOAD, Tadjou, épouse Yaya Oye, Mariama, opératrice économique, Ismaila Hamidé, CEO Ismat, et enfin Immaculée Vidé Wédé, CEO de Miss Mary Auger, ont été distinguées au cours de la soirée de gala. Pour leur leadership, d'autres femmes ont reçu des distinctions honorifiques, de Claude Borna, qui est la directrice de Semi City, Armel Couton, directrice de Biscara Sal, Greta Loutier-Gangbo, directrice de Greta Loutier et deuxième présidente du chapitre AWEP Bénin, Gladys Tawema, directrice de la pépinière, Malaika Pep, première présidente du réseau AWEP Bénin, puis ensuite Baoré Fatoumanta, directrice générale de Antamena et première nominée AWEP en 2010, la joie était inexprimable. La tête remplie de projets, ces entrepreneurs sont visiblement plus que jamais engagés à relever d'autres défis. Leur regard reste déjà braqué sur la prochaine soirée de gala.